Alors, bienvenue sur notre plateau des Love Sisters TV. Nous sommes heureuses, puisque nous sommes deux filles, à recevoir nos invités, de recevoir nos deux Nathalie, ici présentes, et de recevoir Patrick. Merci, bonjour, bonjour Myriam. Et là, c'est au tour de Myriam qui va recevoir une des Nathalie, c'est elle qui va dire son nom. Voilà, Nathalie, merci Myriam, merci à tous les invités d'être venus, donc nous faire l'honneur de venir aujourd'hui pour les Love Sisters. Aujourd'hui, nous avons Nathalie, en général, on est beaucoup dans le côté artistique. Aujourd'hui, nous allons passer sur un, pas que l'art n'est pas sérieux, mais dans un cadre un peu plus profond. Nathalie Sacco, tu es présidente de l'association LOL Occasion d'en parler, qui est une association qui est dédiée aux enfants, aux enfants qui ont quelques problèmes comportementaux. Oui, donc voilà, c'est des enfants qui ont un trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Alors explique un peu à tous ceux qui sont derrière l'écran et toutes ces mamans et papas qui ont peut-être envie d'aider leurs enfants à travers ton travail. À quoi consiste-t-il ? Donc tout simplement, j'ai créé l'association suite à de grandes difficultés de mon fils dans le parcours scolaire du fait de son trouble d'attention. Donc le trouble d'attention, ça comporte trois symptômes. L'inattention, donc c'est des difficultés à rester concentré sur de longues tâches. C'est beaucoup d'oubli, il faut beaucoup répéter également. Donc il y a aussi l'impulsivité, donc c'est des réactions sans réfléchir. Des enfants qui vont couper la parole et pas volontairement, contrairement à ce qui peut être souvent dit. Et puis, il y a parfois aussi l'hyperactivité. Donc, c'est des enfants qui ont besoin de bouger, qui ne restent pas en place sur leur chaise. Dès qu'il y a une mouche qui vole, par exemple, et ben voilà, ils sont dans les nuages, etc. Et c'est des enfants et adultes qui parlent énormément. Énormément, voilà. Donc, tu veux dire que les adultes ne s'améliore pas. Alors, le trouble s'améliore avec l'âge. Je suis moi-même diagnostiquée TDAH. Donc, ça s'améliore avec l'âge parce qu'on met plein de choses en place. Il y a des méthodes pédagogiques qui aident à évoluer dans un respect des autres parce que ce n'est pas fait intentionnellement, mais qui peut t'aider justement à évoluer pour être mieux en société. Oui, il y a des prises en charge avec des neuropsychologues, pédopsychiatres, ergothérapeutes, orthophonistes, etc. Parce que souvent, il y a d'autres troubles associés, des troubles de dyslexie, dysorthographie, etc. Donc, ton association, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend en charge l'enfant, elle va le diriger dans certains corps de métier qui pourront l'aider à évoluer ? Comment ça se passe ? On soutient les parents, et les enfants. Aussi les parents, oui. Oui, parce qu'on va aider, en fait, les familles et les parents à s'orienter vers certains spécialistes. Les orthophonistes, pédopsychiatres, etc., pour différents bilans qu'il y a à faire au début d'un diagnostic. Et également, les enfants, on les soutient. Bon, là, nous devons faire des rencontres, justement, pour soutenir, échanger, donner des conseils avec des professionnels ou même simplement avec d'autres parents concernés. Et même si les parents ne sont pas forcément concernés par un enfant ou une personne de la famille qui a un trouble d'attention, on informe et on sensibilise parce que c'est un trouble méconnu et mal connu. Nathalie, ce qui m'intéresse dans cette petite discussion qu'on a eue, et très courte, comme tu as eu toi-même ce trouble, j'aimerais savoir, et que ton fils a ce trouble, j'aimerais savoir si ça peut être génétique. Tout à fait, c'est ça, c'est génétique. C'est génétique. Moi, j'ai fait un diagnostic à 31 ans. Parce que justement, je trouvais beaucoup de similitudes avec les comportements de mon enfant. Donc déjà, t'étais encore en trouble. T'étais encore en trouble. Tu coupais la conversation parce que... Ah oui, oui. Nathalie, oui. Je vais t'avouer un secret, tu sais. Je crois que toutes les deux, on a le trouble. Parce qu'on se coupe, en plus. Non, t'as vu, j'étais sage, j'ai écouté. Justement, j'ai pas encore mis la méthode en place, mais justement, qu'est-ce que tu proposes à travers donc ton association que tu présides, mais surtout quel type d'exercice vous faites pour arriver à combler ce déficit, si je puis me permettre d'appeler ça comme ça? Alors, on fait beaucoup de méditation, de cohérence cardiaque pour reposer les enfants. Donc ça, c'est des spécialistes qui vont travailler avec la personne atteinte de ce trouble. Les spécialistes, ils vont intervenir sur la gestion des interactions avec les autres enfants, puisque
c'est aussi compliqué. La gestion des émotions est très compliquée. C'est-à-dire qu'une tristesse ou une joie, ça va être démesuré. Ça va, déclencher ce genre de symptômes, entre guillemets, symptômes de troubles de comportement. Alors, il faut que ce soit des réactions qui durent dans le temps. À partir de 6 mois où c'est répétitif, récurrent, là, on commence à se poser des questions pour faire un diagnostic. Voilà, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai une amie qui a un fils et c'est un hyperactif. Bon, donc, je pense qu'il y a des degrés. Et ce fils, qui commence à être plus grand qu'elle maintenant, parce qu'elle a grandi d'un coup en un an, la frappe. Ouh là là, ça c'est... Donc, c'est... C'est des cas graves quand même. Alors, le trouble de l'attention, chaque enfant a, comment dirais-je, vraiment, c'est chaque enfant qui a un trouble de l'attention ou même un adulte a son propre degré. Voilà. Donc, il arrive certaines fois, voilà, que les parents soient dépassés et qu'il se passe des situations comme ça. Des coups dans les murs, casser des portes. Ça arrive. Et donc là, on peut faire intervenir. C'est pareil, on peut orienter vers le service social, un éducateur spécialisé qui va venir aider les familles pour essayer justement. Donc, ton association met tout ça en place. La personne, par exemple, Myriam, appelle votre association, va vous mettre, je vais dire quand même discrètement, vous mettez tout en place pour aider l'enfant et les parents. Alors, on va donner les outils, les coordonnées, on va expliquer ce qui est possible et tout ça aux parents. Après, c'est aux parents de faire les démarches. C'est pas vous qui le mettez en place. Non, le mettez. Vous faites déjà une grande démarche d'avoir. Voilà, on échange avec eux, on leur indique plusieurs spécialistes à aller voir, il y a des différentes méthodes, etc. Et donc voilà, on les oriente beaucoup plus que l'intervention en elle-même. Et cette orientation, donc cette aide, est-ce que vous le proposez aussi dans le cadre pédagogique d'une école, d'un lycée ou de... Alors, récemment, sans parler de la crise sanitaire, récemment, on a échangé avec toutes les écoles de la métropole de Montpellier. Parce que au niveau scolaire, peut-être le parent ne va peut-être pas obligatoirement voir ce trouble, mais au niveau scolaire, ils vont détecter plus facilement que cet enfant a besoin d'aide. Alors, les parents se posent souvent des questions et également, il y a les équipes pédagogiques. Oui, à l'école, c'est souvent à l'école où on va remarquer dans les premiers apprentissages les difficultés d'attention des enfants. Donc les écoles peuvent avoir... Est-ce que vous travaillez directement avec ou est-ce que tu donnes déjà tes coordonnées ou comment dire, que tu proposes à toutes les écoles C'est ce qu'on a fait, voilà. Ah oui, on a donné, donc on a présenté l'association et on a donné... Donc les coordonnées pour échanger avec eux, donc établir s'ils le souhaitent des questions, etc. Et pour essayer d'intervenir avec les équipes éducatives qui sont très peu formées, voire pas formées. Et donc on est un soutien aussi pour les écoles. Oui, tout dernière à fait. Question qui est intéressante aussi. Ces troubles-là, ça doit énormément fatiguer la personne qui a le trouble. On a un cerveau qui ne s'arrête jamais de fonctionner. D'accord. Des pensées, des pensées, des pensées. On se lève la nuit pour boire un verre d'eau, c'est des pensées, des pensées, des pensées. D'accord. Et pour se rendormir, c'est très compliqué. Donc, le mot de la fin, ma chérie. Voilà. Est-ce que vous avez essayé, excusez-moi de vous couper, est-ce que vous avez essayé de prendre des supports, méditation, yoga? Vous savez qu'il y a des mégahertz qui vous aident à reposer le cerveau. Je ne sais pas si vous êtes courant au niveau de l'énergie de la Terre et de l'être humain. Il existe des mégahertz qui nous aident à avoir une relaxation. D'autres pour la méditation et d'autres pour mieux nous endormir. Et je vous enverrai, parce que moi j'ai essayé ça hier soir. Je vous enverrai ce petit lien où il y a les mégahertz dedans, esprit pour pouvoir vous reposer, trouver le sommeil. On fait de la méditation, oui. Je vais te donner le mot de la fin où tu vas adresser à la caméra directement comment te contacter et justement, tu donnes tes coordonnées et que tous ceux qui ont envie d'aider, je vois qu'on est tous enthousiastes, mais c'est vraiment un thème qui est assez long et profond. Donc, c'est ton moment à toi. Merci bien. Donc, pour me contacter, ce sera donc mon nom sur Facebook, ma page personnelle, Nathalie Sacco, et la page de l'association, l'occasion d'en parler. Donc, je peux citer un numéro de téléphone ? S'il te plaît. Alors, le mail, ce sera l'occasion d'en parler @gmail.com
et le numéro de téléphone 06 95 26 07 36. Merci et beaucoup. Moi et Myriam, nous applaudissons parce que... C'est enfin, comment, une toute seule qui donne son numéro de téléphone. S-A-2-C-O. Voilà, parce que je n'aurais pas... C'est le numéro de l'association. Donc n'hésitez pas, appelez à tous les parents, voilà, tous les enfants. Oui. Et on aime les enfants. Voilà. On fait au mieux pour accompagner vraiment les familles et les parents. On te reprendra, oui, de toute façon, on te reprendra pour, à prolonger. Et merci Nathalie. Merci de... Merci pour ton travail. Merci pour ce beau speech qui était... Non, mais c'était bien. Donc ça prouve que tu peux être une love sister, tu comprends. Et déjà, tu as montré, et voilà. Je pense qu'elle l'a fait exprès, n'est-ce pas? Avec ton micro. Non, je pense que l'enthousiasme, alors, justement, de Nathalie aide à Nathalie. Non, mais c'est super, c'est super. Non, mais c'est super. Non, c'est sincère. Si tu veux venir avec nous, nous rejoindre, si tu veux venir nous rejoindre, on verra. De temps en temps, tu viendras nous rejoindre. Et c'est à mon tour, n'est-ce pas, Myriam? Myriam, maintenant, va vous parler avec beaucoup d'engouement et de professionnalisme de... Patrick Méa, qui est interprète et qui est très intéressant parce qu'il fait plusieurs reprises. Et il fait Georges Moustaki, Jean Ferrat, Jacques Brel, Serge Lama. C'est énorme, tout ça. Comment tu t'y retrouves ? Je sais pas moi-même. T'as pas de prompteur quand tu chantes, rien ? Non, c'est... Non, pas de prompteur, pour deux raisons. Parce que d'une part, je n'y vois pas grand-chose de loin. Et puis, la seule et unique raison, c'est quand on lit un texte, on en oublie l'émotion. Voilà. C'est vrai. Donc, il faut apprendre son texte. C'est comme les partiels. Ouais. C'est comme quoi ? Les partiels. Partiel. Oui, il y a le bac qui va bientôt arriver. Donc. D'accord. Non, je n'avais pas compris avec son merveilleux accent. Je ne comprends pas tout. Non, voilà, donc pas de prompteur, mais voilà, c'est du travail. Donc, j'ai parlé de tes influences musicales, et je viens de les dire. Donc, je pense que ce sont les mêmes influences. Ou est-ce que tu en as d'autres ? Mes influences musicales, enfin... Oui, je... C'est bien. J'ai Ferrat, Reggiani, tous ces chanteurs à texte de la rive gauche en général, mais certains de la rive droite. Hein, je fais pas de politique en chantant. En fait, ce qui me guide, c'est l'émotion. C'est exclusivement l'émotion. C'est-à-dire que quand un texte me plaît, que la musique me plaît et qu'elle me crée de l'émotion, cette musique-là, ça me plaît. Donc ça peut être toutes sortes de musique. Absolument. Voilà. Sauf que faut que ça reste quand même dans mes cordes, comme on dit, quoi. Hein, mais c'est l'émotion. Avant tout, c'est l'émotion. Et tout ça, c'est dans les cordes. Ouais, nous sommes les chanteurs en général. Nous sommes des thérapeutes de l'éphémère. Et être interprète, c'est bien parce que ça permet la pérennité. Ça permet de faire connaître aux jeunes et à d'autres gens des gens qu'ils n'auraient jamais connu s'il n'y avait pas des interprètes. Parce que même à la télévision, on les oublie. Très vite. Voilà, très vite. Les gens sont très vite oubliés. Ah bah aujourd'hui, d'une heure à l'autre. Hein. Voilà. Il n'y a pas de souci. Hein. Sauf ceux éventuellement qui ont créé des chansons pour enfants. Ouais. Et cela perdure parce que les parents qui trouvent que... Voilà. Mais autrement, les gens sont vite oubliés. C'est dommage quand d'oublier des gens comme Brel, Brassens, Moustaki, Reggiani, Ferrat, c'est dommage. Oui, donc voilà dommage. Pourquoi il y a des gens qui les interprètent et puis qui sont demandés pour le faire. Patrick, depuis combien de temps tu chantes ? Depuis le ventre de ma mère, je crois. Mais tu chantais pas du Ferrat dans le ventre de ta mère ? Hein. Mais si. Si ? Oh si. Alors lorsque tu as été en âge de parler, tu commençais déjà à chanter. Oui, c'est ça. Oui, j'ai appris à chanter aussi, comme j'ai appris à parler et à marcher. Oui. Exactement, en même temps. Comme Obélix. Mais parce que tes parents étaient un petit peu artistes. Donc, pas du tout. Pas du tout, mais Ferrat, c'était le chanteur des ouvriers. Mon père était ouvrier, ma mère était ouvrière. Et c'était le thérapeute des ouvriers, Jean Ferrat. Donc, il chantait, les gens rechantaient. Ma mère chantait Ferrat, tout le monde chantait Ferrat. Voilà, on reprenait Ferrat comme on... Alors, automatiquement, comme elle chantait Ferrat, que j'étais dans son ventre, j'ai entendu Ferrat, quoi. Enfin, c'est ce que tu crois.
Non, c'est pas gentil ce que je te dis. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, c'est vrai que lorsqu'on est enfant, on apprend tellement vite les textes, beaucoup plus vite les textes, et il y a des choses qu'on enregistre qu'un adulte va mettre énormément de temps à enregistrer. J'aimerais aussi savoir quand ça t'est venu l'idée de justement de chanter sur scène. L'idée m'est venue à Copenhague. Non, elle m'est venue un peu avant. Elle m'est venue alors que j'étais en internat à Coatandor, en Bretagne. J'étais dans ma 16e année, je crois. Oui, c'est ça, oui. J'avais 16 ans. Et tous les ans, il y avait la grande fête à l'internat. Donc, toutes les ruines du village venaient avec le curé, etc., etc. Et comme je faisais partie, bien évidemment, de la chorale de Saint-Jean-Bosco, puisqu'il y avait des chorales dans là, eh ben, on était amené à chanter, voilà. Et on m'avait donc demandé de chanter une chanson, comme on le faisait tous les ans. Et je suis arrivé là, sur la petite scène qu'il y avait là. J'ai vu tous ces gens, et je leur ai chanté « Les bourgeois, c'est comme les cochons » de Jacques Brel. Je me suis fait virer après, mais j'étais tellement ravi. J'ai dit, tiens, j'ai eu du succès. Ta première scène, t'as été viré. Rebelle dans l'âme. J'étais viré du lycée après. Ah, du lycée. On chante pas les bourgeois, c'est comme des cochons, hein, des bourgeois. Ah, ben bah oui, bah ça oui. N'existe pas, mais j'étais déjà rebelle. Est-ce que tu te souviens de ta toute première scène, lorsque vraiment la décision a été prise et que tu as, ce jour-là, levé les rideaux? Alors, la première scène professionnelle, on peut dire, oui, là où j'ai été payé pour chanter. Oui, bien sûr, bien sûr. Je m'en souviens bien. Oui, c'était à Mâcon. C'était dans une très belle salle à Mâcon où j'ai chanté pour la première fois professionnellement. Voilà. C'était en 94. Je pense que tu devais être très heureux. Ah oh, oui. À la fin. Oh bah écoutez, oui, c'est un... J'ai pas le sentiment de travailler, hein, franchement. Non, mais c'est un sentiment tellement de bien-être, de faire ce qu'on a envie, oui, oui. De faire ce qu'on veut, parce que c'est un luxe. C'est un luxe, évidemment. Que tout le monde n'a pas. Je reconnais, c'est un grand luxe. Ah, quand je regarde certaines personnes de la régie, la tristesse, le visage, c'est terrible. Ils sont en train eux-mêmes de réfléchir, ils sont en train de sombrer dans ce qu'on est en train de se dire. Les pauvres malheureux, il va falloir qu'on remonte le moral à tout ça. Je sais que tu vas nous faire une surprise, tu vas faire un live tout à l'heure. Et j'aimerais que tu me dises quand même le mot de la fin, ce que peut-être on aurait oublié de te dire, de te demander. 33 ans et Jacques Brel, je connais de par mes parents et mon fils entend chez papy et mamie aussi Jacques Brel, Georges Brassens également. C'est bien Georges Brassens qui a chanté les Champs-Élysées ou pas? Non, c'est pas tout à fait ça. Jodassin. Et Jodassin, par exemple, je l'ai chanté, j'avais 15 ans. C'est pas la même année, c'est pas la même époque. Brassens, c'est plutôt Gare aux Gories, Les Copains d'abord. Dans l'eau de la claire fontaine. Tu vois, les connais quand même. C'est partie de notre patrimoine. Je les connais quand même. Edith Piaf aussi, je connais tout ça. Oui, d'ailleurs, je suis très surprise comme les jeunes connaissent très bien les répertoires des générations précédentes. Je suis extrêmement... Parce que c'est... Voilà. Merci Myriam de me permettre de... Merci aussi de m'avoir... d'avoir parlé, parce que ça m'a permis de réfléchir. Parce que rien n'est prévu ici. Hein. Faut dire aussi qu'on arrive, on s'assoit, on ne sait pas ce qu'elle va nous dire. Hein. On ne sait jamais. Donc, on ne sait jamais. Hein. Donc, j'aime beaucoup. Ce n'est pas une émission qui est préparée. Mais je vais être très sympa avec toi. C'est que moi-même, je ne sais pas. Alors, je rectifie quand même, parce que les émissions sont préparées, mais nous laissons beaucoup de place à la spontanéité. Oui, bien sûr. C'est ce que je voulais dire. Mais mignon quand même, Patrick. Je ne savais pas les questions. Il n'y avait pas de questions, il n'y avait rien. On s'assoit et là, on est en direct. Là, on est bien là. Donc, ça m'a permis de réfléchir sur ce mot de la fin. Donc, tu m'as demandé. En fait, Myriam m'a beaucoup aidé à trouver le mot de la fin. Je suis particulièrement heureux lorsque des enfants, des petits-enfants, des fois 4 ans, 5 ans,
se pose là devant, alors que je chante des chansons qui datent de quand Jésus-Christ était garde champêtre, hein, et avec des yeux absolument émerveillés, on dirait que je suis Jésus-Christ là. Bon, c'est pas le cas, hein, mais c'est impressionnant. Ah bon? Alors moi je dis que quand on a cette chance de pouvoir transmettre des beaux textes, des belles musiques à des petits. Ah, je pense que c'est intéressant. C'est vrai, intéressant. C'est intéressant. Ça, c'est le mot de la fin. Et maintenant, un autre chose de plus intéressant aussi, aussi intéressant, excuse-moi. J'aimerais que tu donnes tes coordonnées devant la caméra. Ah, bah, Patrick Méa. Donc, mes coordonnées, bah, le téléphone, c'est 06 07 13. Pas confondre avec la pétanque. 8209 06 07 13 8209 et Patrick Méa sur Facebook et tous les réseaux. Vous trouvez tout le monde, hein. D'accord. Voilà. Merci. C'était génial. Merci Myriam. Merci, plaisir de t'avoir. Maintenant, nous allons t'écouter, n'est-ce pas? Ah bah oui. Avec grand plaisir. Tu crois que tu allais échapper? Avec grand plaisir. Non, mais tu pensais que tu allais y échapper? Non. Non. À nous la musique. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain prendre le premier café crème. Et pourquoi faire du cinéma? Allons fillette, regarde-moi, vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends. Si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons fillette, regarde-moi. Allons fillette, regarde-moi, vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Aimer à perdre la raison, aimer à ne savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est pas mon amour que j'y crois. En elle, je porte ma croix. Et de leur nuit, ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à ne savoir que dire,
à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison que par la douleur du parti, aimé à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse, toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée, aimé à perdre la raison, aimé à ne savoir que vivre, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti, aimé à perdre la raison. Patrick, vraiment, j'ai beaucoup aimé ton interprétation sur tes deux chansons. T'en as perdu la raison ? Et oui, j'en ai perdu la raison parce que je voudrais aimer à en perdre la raison. Je ne sais pas si je sais aimer à en perdre la raison. Peut-être que Nathalie peut me dire si c'est un symptôme à guérir, mais je ne sais plus si j'aime à en perdre la raison. Aime. Après, elle ne te pose pas de questions. Voilà, 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 voilà. Mais tu étais extraordinaire et bien, très, écoutez, très bien. Là, vous faites souffrir mon égo et je ne sais plus que dire. On te remercie de nous avoir transportés, justement. En plus, tu as une telle interprétation, c'est vraiment le cas de le dire. Ouais. Tu es un interprète. Tu ne cherches pas à faire du cover, tu cherches vraiment à rester toi-même avec des textes et des musiques de ces grands chanteurs. Merci beaucoup. Écoutez, ouais. Myriam... avec un S. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi votre émission de télévision et aussi votre accueil avec tous les gens qui sont dans les coulisses. Lorsque Nathalie m'a dit « Viens, une émission, une petite TV web, etc. », je lui ai dit avec plaisir, mais je ne m'attendais quand même pas à autant de professionnalisme. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Nous allons maintenant passer à une invitée que je connais très très bien, que j'ai eu le plaisir d'avoir il y a au moins deux ans et demi. Déjà, c'était un numéro, parce qu'elle ne paraît pas comme ça, mais c'est quand même un numéro. Mais c'est pas avec un chiffre, hein, pas avec un chiffre. Un numéro dans la tête. Oui, oui. She is a one. Donc, elle est présentée par Myriam, notre chère Myriam. Oui, merci, merci. Voilà, vraiment une palette d'artistes encore comme toujours à Love Sisters. Voilà. Oui, parce que nous avons un numéro aujourd'hui déjà, c'est que nous travaillons dans la savane. Autant Nathalie avec Myriam. Donc Nathalie Koval, tu es chanteuse, interprète. Surtout, tu chantes tes chansons, tu es compositeur. Oui, c'est ça, je suis auteur. Compositrice ou compositeur, comme tu veux. Comme tu voudras. Quoi qu'il en soit, c'est toi qui écris tes chansons. C'est ça, je les compose aussi. Voilà, donc c'est un autre travail, mais tu as un message à faire passer. Mais ça, bah, écoute, moi je pense que lorsqu'on crée une chanson, ça vient du cœur ou je ne sais d'où. En plus, il y a toujours un message pour lorsqu'on crée éventuellement... Je suis en train de réaliser mon album. Voilà, donc tu parles d'amour. D'amour, de réalité, d'émotion, de larmes. Il est déjà réalisé, il est déjà réalisé, là. Il est là, il est là. Il s'appelle... Donc, le titre phare de l'album s'appelle « Dans mon jardin secret », puisque c'est mon ami Juan Perezza qui m'a... Celle-ci écrite le texte. Oui, donc tu travailles en collaboration. Avec d'autres auteurs-compositeurs. Très bien. Oui, il n'y a pas que moi là-dedans. Ce serait que du Nathalie Koval. Non, c'est bien merveilleux lorsqu'on a d'autres auteurs, d'autres compositeurs. Oui, mais la musique, c'est du partage. Exactement, donc. Voilà. Donc, là-dedans, dans l'album, il y a quelques titres qui m'ont été offerts par Jean-Marc Ponce, donc Juan Perezza, que j'en oublie pas surtout, et puis le reste, les arrangements aussi avec Monsieur Laurenti de musique. Voilà, donc on a fait un mix, une palette. Et cet album, donc, tu as combien de chansons dessus, tu as Il y en a 14. 14 chansons, donc combien de temps t'as mis pour faire cet album avec tout ce brave monde musical J'ai mis quand même presque un an.
un an parce que j'ai quelques chansons qui étaient déjà dans un tiroir d'attendez. Et puis avec la situation qu'on vit en ce moment, on ne peut pas aller dans le studio, les musiciens, hop, 19h, comment veux-tu qu'il y ait les musiciens en studio, le mixage, le mastering, et puis pour faire et pour présenter un album de, je pense, de qualité. Oui, puis s'il y a quelqu'un... Par respect, on essaie de présenter quelque chose de joli et de bien fait. Donc, et le temps est l'ami du bien, on va dire. Exactement, pourri. J'ai mis tout mon cœur, de toute façon. Oui, voilà, on va tous pouvoir le voir par nous-mêmes, le cœur que tu y mets, l'émotion que tu y mets dans ton travail. Et tu parles d'amour, tu parles d'autres thèmes qui te tiennent à cœur, donc à travers l'écrit des textes. Ben oui, je parle donc de rupture, d'une larme à cause d'une rupture. Je chante les hommes aussi, je chante la femme dans tous ces états, dans un état de couple ou d'une séparation. Je chante dans mon jardin secret. Est-ce que c'est autobiographique ? Quelques chansons sont autobiographiques, oui, parce que généralement, quelques artistes puisent au fond de leurs entrailles. C'est toujours mieux de chanter quand on sait de quoi on chante, de quoi on parle. C'est déjà bien, bien. Surtout quand on fait la musique, parce qu'après, il y a de l'eau qui coule comme une source, et la musique arrive lorsque tu écris les paroles. C'est bizarre, cette chose-là. C'est un exutoire ? Certaines, oui, tout à fait. Pas toutes, hein. Et dis-nous un peu, raconte-nous comment. Non, il y a quelque chose qui. La phrase, pardon. Je veux qu'elle la développe. La musique arrivait. Oui, lorsqu'on écrit des textes ou des phrases, pour mon cas maintenant, je tombe. Et j'aime peut-être la Lune ou la planète Mars. Ça se passe comme ça, j'ai toujours le refrain. Dans ma tête, ça arrive, je m'arrête, je ne travaille plus, je suis à la maison, et il faut que j'écrive quelque chose, je prends mon téléphone. Et j'écris. Ce que j'ai envie d'écrire, ce que je ressens. Donc, si je comprends bien, toi, avant que la musique arrive, tu écris les paroles. C'est ça. Ah, voilà. Et lorsque je lis mes paroles, la musique me vient. Donc, je m'enregistre aussi avec ma musique, mélodie, chantée. Parce que tu fais une mélodie après. Exactement. Voilà. Oui, c'est ça. Et OK. les paroles te dictent une mélodie, si je comprends. Ouais. C'est ça. Ça vient comme ça. Et voilà. Donc, je prends mon téléphone et j'enregistre la mélodie chantée de mes paroles que je viens d'écrire. Et après, tu fais comment ? Tu procèdes comment ? Tu proposes ça à tes musiciens ou à tes... Je propose ça à mes amis pianistes. Ils te font l'arrangement et ceux qui me font les arrangements, le studio. On est toute une équipe à côté d'un chapiteau merveilleux qui est un cirque. Et toujours au même endroit. Toujours au même endroit, du côté de la Provence, là-bas. Tu as des prix ? Je n'ai pas de prix, mais je travaille avec des gens qui me poussent et qui me donnent des ailes. Et c'est merveilleux, si tu savais à quel point, dans ta vie, de trouver ça dans ta vie. Des gens qui croient en toi et qui te donnent les bons conseils pour pouvoir avancer. C'est vrai, c'est vrai. À qui le dis-tu ? Voilà, donc grâce à eux, j'ai réalisé. Mais je crois que c'est ça, je veux dire, tu as la chance d'apprécier ça. Il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais qui ne comprennent pas qu'on leur tend une main des fois aussi, et qui passent à côté de cette chance, ou qui ne tapent peut-être pas aux bonnes portes, ou peut-être qu'on ne vient pas taper à la leur. Ou peut-être qu'ils sont trop égocentriques. Aussi, oui. On a le problème aussi, C'est là que, dans ce cas-là, on appelle Nathalie. On appelle Nathalie. Aucun remède miracle. Non, oui. Non, mais je pense que à tout âge, on peut se remettre en question. Ah, mais il faut, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Je crois que jusqu'à la fin de notre vie, on doit se remettre en question. Exactement, parce que sinon, on n'avancerait pas. Et artiste dans l'âme, tu as la possibilité, justement, d'apprécier ces rencontres que tu fais et de t'en servir pour nous donner le plaisir de t'entendre sur un album. On va t'entendre, bien sûr, tout à l'heure aussi dans le live. Mais tu as un concert, tu as quelque chose de prêt, déjà, dans un but de promouvoir ton artiste. Ton CD ? Oui, alors 18 juin, je suis à Saint-Didier du côté de Pernes-les-Fontaines. Et tu travailles seule, en bande ou avec groupe ? Dans quelle Pernes-les-Fontaines ? Suis dans un hôtel-restaurant où il y a piscine, il y a un barbecue prévu à cet effet pour que je puisse proposer mon album. Donc ce sera le premier direct de mon album avec les musiciens. Je ne sais pas si seront tous là avec tout ce qui se passe. Je ne sais pas si Jean-Paul va pouvoir venir. On pense positif. Voilà, donc dans ce cas-là, ils viennent tous. Chez nous, on parlait de vibration tout à l'heure. Oui. Je dis énergie quantique. On y croit, tout va bien. Voilà, donc ce sera Saint-Didier,
autour d'un barbecue. Et tu as un concert qui dure combien de temps? Je pense qu'il va durer une heure et quart, une heure et demie. Ok. Alors, en espérant ce rendez-vous, mais maintenant... Et tu as envie de le promouvoir? Tu en veux d'autres? Donc, je t'explique comment ça se passe. Tu as une caméra derrière devant le charmant monsieur et tu vas donner tes coordonnées, comment faire pour te booker. Voilà. Alors, pour me booker, c'est tout simple. Vous appelez Nathalie Koval, Kowal, au 06 56 88 23 31 pour un spectacle de Sylvie Vartan pour 17 chansons de ses plus grands succès ou pour m'aider, pour faire ma promotion. Je compte sur vous. De tes compositions. Là. Voilà, mes compositions, elles sont là. Elles sont là. Le titre phare, je le rappelle, dans Mon Jardin Secret, c'est mon ami Juan Pérez qui me l'a écrit. Merci beaucoup. Ah, et nous, on te dit merci aussi. Elle fait des bisous à tout le monde, elle. Non, mais merci. C'est incroyable. Et donc, nous allons la voir tout à l'heure sur scène. Tu vas nous faire un live. Merci beaucoup. Merci. On veut t'entendre. Nous ne reviendrons pas te rejoindre. Parler d'amour, une fois, par un homme. Et voilà, vécu par une femme. Et l'amour est tellement essentiel. Mais sans amour, on ne serait pas là. Écoute, ma chérie, nous ne viendrons pas te dire au revoir parce que tu vas terminer. C'est toi qui vas terminer l'émission. Donc, tous ensemble, nous allons dire aux auditeurs et aux autres qui vont regarder en replay aussi cette émission, on va leur dire bye bye. Bye bye. Merci, bye bye. Merci, Myriam. Dans le dos, j'ai brisé ma voix d'avoir trop crié. Tout l'amour que j'avais à partager.
femme fragile et passionnée. Une femme aimante prête à s'abandonner. Je sais être rock ou romantique. Je suis en couple avec toi, mon public. J'aimerais t'entendre me dire tous ces mots qui font chaud, sentir tes doigts me parcourir, tous les grains de ma peau. Je voudrais sentir de fois en temps le son de ta voix dans cet écrin d'amour qui font un grand tour. Mais qui est-elle, cette femme qui t'enlève à moi, que je l'envie? Cette femme qui a tout le droit d'aimer au grand jour. Je n'ai pas le choix des armes, celui de crier mon amour en me volant mes larmes. J'aimerais tant te voir dormir jusqu'au jour qui se lève, tendre la main, te sentir autrement que dans mes rêves. Je veux de tout ce petit rien que l'on met bout à bout, tout ce petit bout de destin qui font un grand tout. Et je l'envie, cette femme qui t'en rêve à moi, que je la hais, cette femme qui a tout le droit d'aimer au grand jour. Je n'ai pas le choix des armes, celui d'écrire mon amour en me volant mes larmes.